Salut la gang, c'est Choupi, la chaîne Pocketjap. Aujourd'hui, c'est une vidéo en français. Parce que quoi? J'ai une box française pour vous autres. Le coffret Galopas de Galore V. Et pour finir la vidéo, comme d'habitude, je m'appelle Pocketjap. Puis comme Pocketjap, il aime quoi? Il aime les cartes japonaises. Fait que j'ai 4 packs pour vous autres. 2 Silverlands, puis 2 Jetback Spirit de la série Chilling Rate américaine. Ouvrons tout de suite cette boîte pour savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Et voilà, on ouvre ça. Une petite boîte de français. Je commence à aimer ça, les cartes françaises, parce que je trouve que les coupures, les contours sont bien coupés. Soit dit en passant, mes amis français, ils m'ont convaincu. Je me débarrasse de ça parce qu'on n'a pas de besoin. On va ouvrir ça. Là, comme d'habitude, les noms en français, j'ai de la misère. Parce que moi, je les connais en anglais, puis je trouve ça drôle, la façon que vous avez appelé ça, ces cartes-là. On sort ça. De là, je me débarrasse du plastique et de celle-là aussi. Le code promo, bonne chance en ligne. On va regarder ça, cette petite Galopas de Galore V. Wow! Le centrage a de l'air quand même bien. Un petit peu décalé, mais bon, mais les coins, comme je vous ai dit, regardez ça, c'est comme les Japonais, ils sont super belles, là. Normalement, les Américaines, là, c'est pas super beau, les coins, c'est assez rare qu'ils sont belles. On met ça dans une sleeve, piou! Et ça s'en va directement à quoi? La section VIP pour Pokémon vraiment important! Et voilà, on va regarder la grande, maintenant, la Jumbo. Waouh, 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 on la voit bien. Elle est super belle, ça va être bon dans ma collection de Jumbo! Je mets ça un instant, je mets ça à côté pour pas la briser. Ah ouais, on check ça, ces paquets-là. Vive Voltage éclatant, je m'en ai dit, va vite Voltage en anglais, je suis tellement habitué. Ténèbres embrasées. Un autre Voltage éclatant. Et pour finir, le meilleur pack de la gang. Un instant. Alliance affaiblie ou Cosmic Eclipse en anglais. On se débarrasse du plastique. Parce que ça aussi, on n'a pas de besoin. Bon, on va ouvrir ça comme ça. Les ténèbres embrasées, les deux voltages éclatants, puis l'alliance affaiblie. Je mets ça ici, et voilà. Je mets ça là. Là, dans cette vidéo-là, moi, il faut que je prie le dieu des Pokémon. Fait que je vais flatter mon petit Pikachu avec sa bédaine, puis j'espère qu'il va me donner de quoi de bon. On commence tout de suite. Ténèbres embrasées! Et voilà, j'ouvre ça. Hey, super facile à ouvrir, aïe aïe! Wow! Je me débarrasse. Oh! Ah, c'est vrai, les codes en français, ils marchent pas à part la nouvelle série. Je pensais que c'était un hit, mais non, c'est une carte standard, je pense, pour vous autres. Le code promo, à qui la chance? 1, 2, 3, 4. Je vais te dire énergie. Bon, énergie Pikachu, parce que quoi? Je veux que le dieu des Pikachu me donne de quoi? Ah non, c'est énergie métal. Gant d'épreuve. Clic. Et flèche. Croquine. Croquine, elle est bonne celle-là. Isolourdo. Dynavolt. Monsieur Mime de Galore. Je commence à m'habituer, là. T'as de morve, t'as de morve. Ça, c'est parce que t'as la morve au nez quand il fait fret. En reverse, nous avons Brasilion. Et pour finir, y'a-tu quelque chose là-dedans? Rien pas tout! Libérons non holographique! Ça part pas bien, le français, aujourd'hui. Premier pack, voltage éclatant. On y va, on ouvre ça tout de suite. Regardez-moi ça, je fais ça de même. Et voilà, mal ouvert, c'est pas grave. Je me débarrasse du pack. Je me débarrasse du petit bout. Le code promo. Bonne chance en ligne. 1, 2, 3, 4. Énergie feu. Non, c'est mon énergie préférée. Énergie coup de poing dans la face. Ou batailleur. Limonde de Galore. Énergie arôme. Grayenna. Wow, excusez, Grayenna. Eoko. Ningal. Voltorb.
Rocabo. Rocabo. Un cabot. Church Mur. En reverse, nous avons Megavolt. Reverse. Et pour finir, on a-tu quelque chose? On a un hit. Boreas, holographique. Bah, au moins, on a un hit, c'est correct. Prochain pack, voltage éclatant. Et le dernier d'ailleurs de la série aujourd'hui. Et voilà, j'ouvre ça. Le code promo. À qui la chance? 1, 2, 3, 4. Je vais dire énergie poisson dans l'eau. Non, c'est énergie Pikachu. Ben, c'est peut-être un signe, on a peut-être de quoi. Ah, oh, je pense qu'on a quelque chose. Il me semble que je vois quelque chose en arrière là. Let's go, mon Pikachu, donne-nous de quoi de bon. Reptincelle. Watapic. Viseur télescopique. Poulpaf. Cove-sourire. Cove-sourire. Nirondelle. Salamèche. Salamèche courte. Axolotl. Qui a de l'air tout surpris. Oups! Qui a de l'air tout surpris qui fait. Oh! Je suis surpris! Dynavolt. Et pour finir, c'est quoi le hit qu'on a? Steelix V! Yes! Au moins on a un hit. C'est un petit V, c'est pas des meilleurs, mais on a quelque chose. Mais je pense que je l'ai, je suis pas certain. Piou! Mais ça s'en va où? Section VIP pour Pokémon vraiment important. Parce que c'est quoi? Un Pokémon vraiment important. On va se le dire. Le pack Alliance affaiblie. Ou Cosmic Eclipse pour les Américains. Mais les anglophones. J'ouvre ça. Je me débarrasse de ça. Je fais ça comme ça. Et voilà. Le code promo. À qui la chance? 1, 2, 3, 4, je vais dire. Plante verte. Non, c'est encore énergie Pikachu. Pika Pika. Ah, ça tombe bien. Pic qui pique. Pic qui pique. Wow. Pic qui pique. Ah, c'est comme Pikachu, ça. Raphaël Chen. Janine. Meltan. Piafabec. Exelang. Flamiaou. Flamiaou. Krabi. En reverse, nous avons paix à leur âme. Mélofée, qui fait partie des fées, qui est une énergie qui n'existe plus. Peut-être qu'un jour ils vont venir, mais pour l'instant, Pokémon n'y est pas pour le mettre dans ses séries. Et pour finir, rien pantoute. Cocotine, non le graphique. Ça va pas bien. Premier pack japonais, Silverlands, qui fait partie de la série Chilling Rain américaine. Et voilà. Le card trick. L'avant-dernier, en dernier. Et je dévoile le tout. La carte numéro 26, Avalogue. La carte numéro 3, Drubel, excusez. La carte numéro 41, Rockruff. Oh, on a quelque chose, on a un holo, je le vois ici. La carte numéro 16, Raboot. Et pour finir, la carte 54, Porygon Z, holographique. Regardez-moi ça, le beau holo là-dessus. Bah, au moins, c'est un petit hit, c'est mieux que rien. Dernier paquet, Silverlands de la journée. On ouvre ça. J'ai pas eu vraiment de bonnes cartes en date dans cette boîte-là. Je veux au moins avoir une Ultra, une Secret, quelque chose, là. Oh, on a quelque chose, je le sens sous mon doigt. Mais par contre, ah, la carte a été bindée un petit peu, regardez, est un peu. C'est pas grave, on va la checker pareil. La carte numéro 8, Steenie. La carte 41, encore une fois, Rockruff. La carte 25, Bergmitt. La carte numéro 40, Galad. Et pour finir. Oh yes! Oh oui! Enfin un hit qui a de l'allure! La carte numéro 28, Ice Rider Calyrex VMAX! Wouhou! Je pense pas que je l'ai en plus, fait que je vais une petite sleeve. Piou! Mais regardez ça, la carte, je sais pas si vous voyez, là, est un petit peu, ouais, un petit peu curvée, mais ça a l'air que c'est de la cause de la machine, c'est pas à cause de la main, fait que ça tombe bien. Le centrage est beau, ça s'en va où, direction?
VIP pour Pokémon vraiment important. Et voilà, puis c'en est une vraiment. Ça commence à avoir de l'allure. Premier pack, Jetpack Spirit. On ouvre ça tout de suite. Et voilà, je me débarrasse de ça. Oh, excuse, oh, j'ai vu quelque chose là. J'ai vu quelque chose. Le card trick. Et je dévoile tout. La carte 55. Fletching. La carte numéro 25. Gastly. La carte numéro 13. Casform Reniform. La carte numéro 39. N'instant. Sismitod. Et pour finir, c'est quoi qu'on a comme hit? Yes! Un autre hit. La carte numéro 17. Arctovic V. Wouhou! Un autre petit hit, yes sir. Un autre section VIP, c'est sûr. On met ça comme ça. Piou! Puis ça s'en va dans la VIP section. Parce que c'est quoi? Un Pokémon quand même important. Dernier pack de la journée, gang. Let's go. On veut un autre titre là-dedans. Ça serait bien le fun. Hein? Deux hits dans le même back-à-back, là. Et voilà. Le card trick. Ouais, j'ai rien senti sous mes doigts. Et je dévoile le tout. La carte numéro 2. Lydiane. Wow, j'ai de la misère, là. Parce que là, j'avais un petit peu le mot français dans la tête. Puis je me rappelle plus des anglais. Ça va pas bien. La carte 58. Scrovet. La carte numéro 32. Inkay. La carte numéro 26. Hunter. Et pour finir, rien partout. Non surprenant. La carte numéro 68, Old Cemetery. Bon, ben, j'ai une couple de cartes à vous montrer pour mon récapitule. On a cette carte-là. Ice Calyrex V-Max. Steelix V. Puis, Galopod de Galar V. 4 cartes, c'est quand même une bonne ouverture pour 6, pour 8 packs. Fait que c'est une carte à chaque 2 paquets. Plus, on a eu une holographique. J'ai rien à dire, je suis content, le choupi, il aime ça. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, on se voit dans la prochaine vidéo, gang. Ciao!